Administration, gardien, gardien, administration. Mouchard. Oui, porte-clé. C'est gênant. On va arranger ça. Oh non, dis, pense à autre chose, quoi. C'était la première fois que j'étais chippé. La première femme que j'avais dans la peau. Et elle le menait comme ça. Je croyais tout ce qu'elle me disait, tout ce qu'elle me racontait. Qu'elle t'aimait et que le terreau, c'était son frangin. Et même ça. Alors on se reverra. Tu comprends? Je te comprends. Et puis vite, très vite, je veux pas attendre qu'on se voit la Guyane. Sur la Martinière, si on pouvait ouvrir les cages, le cargo serait à nous. Ouvrir les cages? T'es serrurier? Oui. Alors je t'expliquerai. Mais pour prendre le rafio, il faut des armes. C'est possible, à condition que les hommes se fassent mettre au fer. De là, une plaque de tôle à déboulonner, ça ira. Il y a des gardiens dans le magasin d'armes. Deux. C'est juste. Mais pour se mettre d'accord, il faudrait qu'on puisse communiquer. Avec les cages d'en face, on peut tout de même pas gueuler d'un bord à l'autre. Ça, c'est mon boulot. Un crayon, 90 jours de cellule. Parler, 90 jours de cellule. Ah, t'es bad, toi. Et lui? Tu tombes mal. Pourquoi? Il est sourd-muet. Mais justement, ça me connaît. J'ai fait un stage chez eux pour leur faucher leur caisse. Mais elle était vide. T'en connais les trucs. Avec lui, on se méfiera moins. Fais gaffe. Le cala, il te regarde. Ça va, j'ai pigé, je vous l'expliquerai.